Chers amis, bonjour, nous sommes le mercredi 19 avril 2023, il est presque 9h. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. On commence donc par trois affiches. Donc vendredi, ça sera ce vendredi, donc 21 avril, à Bourg-lès-Valence, salle Chenevier de la MJC Jean Moulin, un débat, une table ronde sur le génocide. Est-ce qu'un nouveau génocide des Arméniens peut-il se reproduire? Donc ce sera le débat, la table ronde d'Arménia, donc que vous connaissez, hein, donc Arménia, qui réalise régulièrement donc des tables rondes. Il y aura des personnalités lors de cette soirée surprise, donc on en reparlera. Et puis donc dimanche, le lendemain, donc pardon, donc dimanche, ce dimanche 23, à Valence, il y aura une veillée à partir de 19h devant la stèle du génocide, œuvre de Tauros. Mais à Privas, à 14h, Michel Valla, le maire de Privas, un grand ami de l'Arménie et des Arméniens, invite le public à l'inauguration d'un khachkar. Un khachkar donc à Privas, c'est le premier donc dédié au génocide des Arméniens. Ça sera à Privas. Et puis il y aura un concert de musique après, donc voilà, une réception. Une très très belle. Donc Privas, qui est le chef-lieu, enfin la capitale du département de l'Ardèche, qui est un département voisin de la Drôme, hein, de Valence et de la Drôme, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, mes amis. Et puis et surtout, donc le C24 invitera donc à Valence pour le 108e anniversaire du génocide des Arméniens. Donc ça commencera à partir de 18h, après la cérémonie donc de la République, en fait, au parc Chouvet, donc devant le lieu de mémoire du parc Chouvet, oui, avec la cérémonie républicaine en compagnie donc du préfet de la Drôme. Et puis donc après, surtout à 18h, donc rassemblement place Champ de Mars, donc devant la, oui, au kiosque Péné. 18h30, départ des manifestations. 19h, arrivée donc square Jean Manouk Stépanian par la rue d'Arménie, en fait. Hein. On va longer les boulevards par les trottoirs, en fait, comme chaque année, comme ces dernières années du moins. Et puis discours donc à partir de 19h, donc la cérémonie se clôturera vers 20h, 20h15. Voilà, ce sera pour ce lundi 24 avril à Valence. Les nouvelles. On va commencer les nouvelles, mes amis, encore une fois par le sport. C'est le sport où on a eu le plus de, comment dirais-je, de joie. Vasken Tevanian en lutte libre à Zagreb dans les 65 kilos. Il a été champion d'Europe. Donc voilà, il s'est imposé en finale sur le score de, tenez-vous, 12-1. Face à Mikhail Salim Naïm, donc, qui représentait la Bulgarie. Voilà, donc Tevanian, qui est, comment dirais-je, qui est champion d'Europe pour la troisième fois. Voilà, il s'était imposé aussi contre un Azeri ou un Turc en quart de finale. En tout cas, très très belle compétition et très très belle médaille d'or. Et puis les surprises n'arrivent jamais seules, en fait. Hein, donc voilà, donc une nouvelle médaille. Arsène Haroutyunyan a battu, peut-être une nouvelle médaille, j'ai un petit peu vendu trop vite, ça sera ce soir la finale. Donc Arsène Haroutyunyan a battu donc un autre Arménien, en fait, hein, Arman Eloyan, qui représentait la France, vive la France, mais celui de l'Arménie donc a gagné, donc Arsène Haroutyunyan, qui est connu, il a atteint donc la finale des championnats d'Europe de lutte libre, c'est à Zagreb, ça sera ce soir, donc on verra si on a une nouvelle médaille d'or, enfin, un nouveau titre européen, c'est dans les 61 kilos, voilà. Donc Arsène Haroutyunyan, lui aussi, il brigue un troisième titre de champion d'Europe. Voyez-vous, les Arméniens, comme ils sont très très forts. Et en haltérophilie, championnat d'Europe d'haltérophilie qui se poursuivent en Arménie. Donc hier, c'était une journée sans... il n'y avait pas de... Dans les compétitions, il n'y a pas de leader arménien, donc il n'y a pas eu de médaille. Mais aujourd'hui, ça commence, le sérieux commence à partir d'aujourd'hui à Yerevan. Yerevan qui organise de façon extraordinaire ces championnats d'Europe d'haltérophilie. Yerevan qui mérite d'organiser les championnats du monde et même des compétitions internationales beaucoup plus importantes. Les Arméniens savent faire, savent organiser. Voilà. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian voit une grande opportunité de réguler des relations avec la Turquie. Bon, ça c'est connu, donc il a encore affirmé que c'est l'occasion et que le fait d'avoir aidé de façon humanitaire la Turquie lors du séisme, ça a aidé grandement à redonner pardon, de la chaleur dans les relations entre Yerevan et Ankara. Et il y a une grande opportunité d'après
Nicole Pachinian. Voilà, une vingtaine de personnes ont été arrêtées en Azerbaïdjan, soupçonnées de coopération avec les services spéciaux iraniens. Bon, maintenant, tous les dossiers vont émerger, vous savez, du moment où les relations sont tendues entre Bakou et Téhéran, on verra de l'escalade, peut-être jusqu'à l'aboutissement d'un conflit armé. On verra. Voilà, Galo Paylan, qui a été député deux fois, donc en HDP en fait, hein, sur la liste des HDP pro-kurdes. Il ne peut plus se représenter donc, au Parlement parce qu'en fait, là, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas faire un troisième mandat donc, sous le même parti. Et il refuse donc de changer de parti, même si le HDP va changer de nom. C'est ce que m'a signalé aussi mon ami Khosrov Ilyoser. Il ne va pas participer comment dirais-je, à la députation, donc au Parlement aux législatives, pour le Parlement turc. Il a fait 8 ans, donc il a affirmé donc à l'Opaylan que il a dit, entre guillemets, j'ai porté mon identité arménienne avec honneur pendant 8 ans dans le Parlement de Turquie. Galo Paylan n'a pas hésité à parler des personnalités donc disparues lors du génocide de 1915. À chaque fois, il a revendiqué, il était là avec des risques énormes qu'il prenait, des risques physiques et des risques politiques. Et Galo Paylan était aux avant-postes. En tout cas, il a fait honneur à son origine arménienne, à sa patrie, et puis bon, la Turquie où il vit en fait. Hein. Turquie ou pas, Arménie occidentale, puisqu'il est député de Diyarbakır, qui est la partie aujourd'hui le Kurdistan irakien, mais qui est en Arménie historique, hein, tout simplement. L'Arménie occidentale, Diyarbakır, c'est notre Dikranagert. Voilà, fondée par Tigran II le Grand, comment dirais-je, l'empereur arménien, le plus grand roi arménien de tous les temps, a priori. Aliyev, une nouvelle fois, menace donc les Arméniens qui vivent au Karabakh. Il les menace, en fait, il dit si, soit ils prennent la nationalité azérie, soit ils dégagent. Dégage, c'est un terme un petit peu, comment dirais-je, vulgaire, mais c'est de cette façon-là que Aliyev traite les citoyens, donc les Arméniens. Soit, donc, il dit les Arméniens du Karabakh devraient soit obtenir la citoyenneté azerbaïdjanaise, soit trouver un nouvel endroit où vivre. Un nouvel endroit où vivre. Vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? Cela veut dire que les Arméniens, peuple d'origine, ne sont pas. Pas sur leur terre, doivent partir ailleurs s'ils veulent vivre en tant qu'Arméniens. C'est énorme, énorme, cette expression de haine, une nouvelle fois, et d'arménophobie du dictateur azéri. Voilà. Et c'est dans cet Azerbaïdjan-là que Bakou voudrait que les Arméniens vivent. C'est impossible, c'est impossible. Les diplomates l'ont compris, mais ils n'ont pas de courage, donc les diplomates, de le dire haut et fort et de dire d'accuser ouvertement Aliyev, qui n'exécute aucun, comment dirais-je, aucun ordre, hein, en fait, hein, ne serait-ce que celui du tribunal de La Haye d'ouvrir le corridor de la Chine, hein, donc voilà, qui bloque les 120 000 Arméniens de l'Artsakh et qui les menace de famine et de faim, de tout, voilà, de nettoyage ethnique, tout simplement. Et voilà où on en est, mes amis, donc, sans que le monde bouge une nouvelle fois, je vous le dis. Alors, oui, la ministre de la Santé d'Arménie donc a affirmé que l'avis des trois militaires, donc en fait le 11 avril, 6 militaires arméniens avaient été blessés lors de l'attaque azérie qui avait coûté la vie à 8 azéries, mais qui avait coûté aussi la vie à 4 soldats arméniens. 6 autres soldats arméniens avaient été blessés, 3 légèrement, donc ils étaient ressortis d'hôpital. 3 sont toujours hospitalisés, mais tous les 3, donc même le plus grave, leur vie n'est pas aujourd'hui en danger, ils sont hors de danger. C'était dans la région de Sionik, près du village de Téhéran. Donc c'est Anaïd Avanessian, qui est la ministre de la Santé, qui l'a affirmé hier. Une délégation conduite par le président de l'Arménie est arrivée hier soir à Vilnius, capitale de la Lituanie. Donc le président de la République d'Arménie, Vakhan Khachaturian, aura des rencontres hein, en Lituanie. Sachant que la Lituanie, comme les trois pays baltes, hein, fait partie donc de l'Union européenne, voilà, les trois pays baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie. Et Vakhan Khachaturian aura des entretiens avec le président, son homologue lituanien, donc voilà, et puis d'autres personnalités. Donc à l'université de Vilnius, il donnera une conférence. Voilà, mes amis, sachant que les relations entre Yerevan et Vilnius, généralement entre l'Arménie et les États baltes, sont très très bonnes. Et puis les États baltes qui peuvent permettre à l'Arménie de se rapprocher encore davantage de l'Union européenne. La photo de l'église de Sarmosavank en Arménie a été retenue comme 9e plus belle photo sur Wiki Loves Monuments. Donc en fait, c'est un concours auquel ont participé 3 700
photographe de plus de 30 pays. Voilà, l'Arménie, donc la photo de Haïk Ovanessian était retenue 9e parmi les 150 000. La légende était, c'était une belle journée d'hiver et je voulais partager un moment agréable de mon incroyable pays, donc l'Arménie, hein, voilà, avec Sarmosavank, ce monastère, enfin cette église qui est superbe, et sous la neige, surtout c'est l'angle de la photo, c'est sous la neige, elle est très très belle, bravo à ce photographe. Voilà. Que dire d'autre? Alors, je vais regarder s'il n'y a pas une ou deux infos. Donc, mais écoutez, j'ai fait le tour pour aujourd'hui en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, un beau mercredi. Chez nous, c'est ensoleillé. On va profiter, mes amis. Et puis à demain. Bonne journée.